L'action Logement et Cap Excellence se présentait au Centre culturel Sonis aux Abîmes pour signer une convention de partenariat autour d'engagements communs. Ainsi, ils pourront s'unir pour développer des solutions de logement en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous signons la première convention, notre première convention dans le département. C'est une convention suite à la convention quinquennale que nous avons signée avec le gouvernement au niveau national, que le groupe a signé au niveau national. Et cette convention doit être déclinée au niveau local. Et donc nous devons décliner, si vous voulez, les actions que nous menons au niveau du département. Donc ça nous oblige à signer des conventions dans le cadre du logement pour faciliter le logement des jeunes. Et notamment, cette convention Cap Excellence permettra aux salariés de l'agglomération Cap Excellence de pouvoir faciliter l'accès au logement. En Cap Excellence, depuis la loi Noutré, nouvelle organisation territoriale de la République, a une compétence éminente en matière d'habitat et de logement sur le territoire communautaire Abîmes Pointe-à-Pitre Bémao. Dans ce cadre-là, nous développons des politiques publiques qui vont dans le sens de nos compétences. Nous avons mis en place notre plan local Habitat, le PLH, et nous signons aujourd'hui deux conventions cadres, l'une avec Accor, l'une avec Action Logement, représentée par Mme Beaufond, concernant Action Logement particulièrement. Et ces conventions vont permettre à un public diversifié, jeunes, personnes âgées, handicapées, d'accéder plus facilement au logement, avoir des conditions de sécurité et sécurisation de ces logements, un environnement plus agréable, va aussi en même temps se faisant faciliter l'accès des jeunes, notamment à l'emploi. Nous avons par exemple prévu pour les jeunes en contrat en alternance, ils pourront avoir des facilités d'accéder à un logement parce qu'on sait que tout est lié. L'accès à un logement facilite bien souvent l'accès à l'emploi et aux autres attributs de la citoyenneté. Il y aura aussi, les demandeurs d'emploi pourront aussi avoir facilité pour pouvoir améliorer leur logement, leur bâti. Et voilà, et pourront même avoir des facilités pour accéder à la propriété. Cette convention témoigne d'une véritable volonté de rassembler les expertises et les moyens nécessaires grâce à l'ensemble des partenaires réunis.